Et on est reparti toujours sur le festival OA, donc on est dimanche maintenant, et du coup on a l'opportunité, enfin voilà, c'est G. Robin qui est venu nous voir, donc tout à l'heure on avait un magicien, c'est ça, chercher mes mots, et là on a une artiste musicale. Oui, exactement. Alors, G. Robin, c'est ça? Oui. C'est un diminutif, c'est ton vrai prénom? À la base c'était un nom que j'utilisais sur internet, j'utilisais Jack et Robin, et en fait j'ai mélangé les deux et c'est devenu G.Robin, enfin G. Robin du coup. D'accord. Et donc quel style de musique tu fais? Explique-nous. Moi, je fais de la pop et du rap, hein. c'est les deux mélangés, je chante et je rappe un peu. Je dirais pas que je suis une chanteuse, mais je dirais pas non plus que je suis une rappeuse, c'est juste un peu des deux. Oui, alors c'était... Enfin, moi j'ai vu les photos que Martin a prises. Mmh. Il y avait l'air d'avoir de l'énergie, ouais, en fait. Ouais, il y a quand même pas mal d'énergie, ouais. Ouais, donc voilà. Tu as quel âge? J'ai 23 ans, là. J'arrive sur mes 24, ça me fait un peu peur. Ça fait un peu peur. Non, après 30, tu vois, c'est encore plus, ça fait encore j'imagine. Plus peur. J'imagine. Et du coup, ça fait combien de temps que tu chantes? Que je fais de la musique, en vrai, c'est assez récent. Ça fait peut-être 3 ans que je fais vraiment officiellement de la musique. Après, j'en faisais déjà avant, je dansais surtout. Mais maintenant, la musique, ouais, 3 ans, je dirais, officiellement. Alors, ça a été quoi le déclic pour te lancer? J'étais en Corée, j'ai habité pendant un certain temps en Corée et je prenais des cours de chant. Et quand je suis partie de Corée, c'était vraiment très très triste pour moi de m'en aller de là-bas. Et je suis rentrée et je me suis dit, il faut que je sorte un album, en fait. C'est ce qu'il faut que je fasse et j'ai sorti un album. Voilà. D'accord, c'était pas le plan à la base. C'était pas le plan à la base, mais c'est ce qui s'est passé, voilà. Ok, cool. Alors nous, on est une web TV avec des jeunes, etc. Donc toi, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à faire, de vivre le truc dès qu'il y a un festival déclic? Ou la musique? La musique. La musique, mais bien sûr, de toute façon, ça soigne la musique. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui t'en a besoin dans la vie pour vivre. Je sais pas s'il y a des gens qui peuvent vivre sans musique. Pour moi, c'est nécessaire. D'accord. Puis toi, ça a été une façon de renaître après la Corée, enfin renaître. Exactement, exactement. Survivre, mais c'est vraiment à ça, ton retour que en France. Pour moi, quitter la Corée, c'était tellement une fin. Je voyais pas ce qui pouvait se passer d'autre après et je me suis dit, mais il faut que je sorte un album, en fait, c'est logique, j'ai pris des cours de chant depuis pas mal de temps, c'est ce qu'il faut que je fasse, en fait. Ok, super. Et donc, on va reparler des festivals. Tu fais souvent des festivals comme ça? Non, franchement, c'est mon premier festival, ma première scène, en fait. Ah, c'est ta première scène? Ma première scène. J'avais déjà été sur scène pour danser, mais jamais pour faire mes propres musiques, chanter. Ah ouais, du coup? Voilà, c'était la première fois complète découverte. C'était un peu stressant, mais ça s'est bien passé, je crois. C'est vrai, gros stress, non? Ouais, c'est quand même pas mal de stress. En vrai, cette nuit, j'ai pas très bien dormi quand même. Voilà. Et là, voilà. T'es redescendu, ça va mieux? Là, ça va mieux. Là, je suis contente que ce soit fini, mais j'ai quand même quelques petits regrets. Je me dis, il y a quelques trucs que j'aurais pu mieux faire. D'accord. Donc, voilà. Oui. Il y a toujours mieux, on peut toujours faire mieux. Voilà. Sur le festival aujourd'hui, où t'étais là hier peut-être, non? Oui, j'étais là hier, j'étais même là vendredi soir. D'accord, ah oui, grand week-end. J'ai tout fait, moi. Voilà, ok. Et alors, quel artiste tu voulais venir voir aussi, toi, peut-être en tant que festivalier? Alors, il y a pas mal de gens, parce qu'on a rencontré vraiment beaucoup de gens avec ce festival, on s'est fait plein d'amis, en fait. Et il y avait Reking, je sais pas si on appelle ça un DJ, je fais peut-être une erreur, oui, DJ, voilà. C'était incroyable, son set était fabuleux, c'était juste fou. Et il y avait Shadrack aussi, avec qui on a fait un son en collaboration, un featuring. Puis bien sûr, Neilik, mon copain, du coup. On fait beaucoup de musique ensemble et on est monté sur scène ensemble ici aussi hier. C'était chouette alors. Voilà, c'était très très chouette. Eh bien merci G. Robin. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. C'était un plaisir, merci beaucoup. Bon festival, bon dimanche. Merci.